Good afternoon. Thank you very much for coming. The Secretary General will start by presenting the annual report for 2016, and then, of course, you'll be very happy to take your questions. Good afternoon. Today I will launch my annual report, and this annual report contains a lot of facts and figures about NATO. I think it's important as document for reference, but c'est it's also a way for NATO to show transparency, because as you know, transparency is important for the alliance. It's important to be able to tell the close to 1 million, close to 1 billion people we protect what we are doing, and this is covered in this annual report. At no time since the end of the Cold War, NATO has faced greater challenges for security. The report shows how much NATO is doing to adapt to this new security environment, acting with determination to strengthen our collective defense and to project stability beyond our borders. In 2014 and 2015, we began to implement the largest reinforcement of our collective defense in a generation. And in 2016, we took further steps to keep our almost 1 billion citizens safe. Here, for example, you can see our joint effort to strengthen our collective defense in the northeast of the alliance. These are the four multinational battle groups we agreed to deploy to Estonia, Lithuania, Latvia, and Poland. They are arriving as I speak. At least 17 different allied countries will contribute troops to these four battle groups. And we are on track to have all four battle groups in place by June. At the same time, we have maintained our political dialogue with Russia. We held three meetings of the NATO-Russia Council last year, and I welcome that both NATO and Russia recently took part in talks hosted by Finland on improving air safety in the Baltic Sea region. In keeping with our international commitments, we invited observers to attend 10 different NATO exercises. As far afield as Norway, the UK, and Greece. En Grande-Bretagne et en Grèce. NATO is adapting to address all the challenges as well. Cyber attacks are a growing threat. Les attaques cyber and NATO is making good progress on cyber defense. L'OTAN fait des progrès remarquables in 2016, en NATO expects NATO en 2016, experts dealt with an average et les experts of 500 de l'OTAN ont géré cyber en moyenne 500 incidents cyber par mois, 60, ce qui représente une augmentation de 60% par rapport. We have recognized cyber as an operational domain. La sphère cyber a été reconnue à titre de domaine à proprement parler, au même titre que les domaines terre, air et mer. Et les alliés se sont engagés pour améliorer les défenses cyber nationales. En 2016, notre site de défense antimissile Aegis Ashore en Roumanie est devenu opérationnel 24 heures sur 24, ce qui nous rend beaucoup plus à même de nous défendre contre les attaques par missiles. En provenance de la security zone is not just about what we do at home, but also what we do beyond our borders. So we have agreed to do more to project stability in our neighborhood, including by training local forces, y compris en assurant la formation et l'entraînement des forces locales. NATO is projecting stability in many comme different ways, sur ce cliché, l'OTAN projette la stabilité de diverses to the façons fight against et contribue à la lutte contre fight le terrorisme. In for c'est une lutte que nous avons entamée years. Il y a plus de 15 ans. We have, 13,000 troops deployed in Afghanistan as part of our mission to train Afghan forces from 39 NATO member countries and partner countries.
et partenaires de l'OTAN. Ces forces entraînent les forces afghanes pour assurer la sécurité de ce pays et pour empêcher que les terroristes internationaux s'y installent. Nous avons déjà commencé l'entraînement des forces irakiennes parce que la formation des forces locales est un des meilleurs outils que nous avons à notre disposition. Nous avons d'autre part envoyé des équipes de formation mobile en Égypte, en Jordanie, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Les aéronefs AWACS de l'OTAN soutiennent la coalition internationale pour contrer Daesh. Nos aéronefs AWACS assurent des mesures d'assurance pour la Turquie, qui évidemment est un pays très important dans le cadre de notre lutte contre le terrorisme. Et l'OTAN continue à renforcer les défenses aériennes de la Turquie. Pour renforcer nos efforts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous avons récemment décidé d'établir un pôle pour le Sud. We have opened the NATO ICI regional center in Kuwait to improve cooperation with our partners in the Gulf. Pour améliorer la collaboration avec nos partenaires dans le Golfe. Nous avons lancé l'opération Sea Guardian, qui est une nouvelle opération de sécurité maritime en Méditerranée. Fort de notre succès, de notre mission pour mettre à mal les flux de migration illégale en mer Égée. Et pour mieux comprendre la menace qui pèse sur nous, nous avons créé une nouvelle division renseignement. Ce sont là des étapes essentielles, mais il faut qu'on en fasse davantage pour déployer davantage d'efforts afin de rendre encore plus stable notre voisinage. Et je suppose que ce sera une question qui sera à l'ordre du jour lorsque les chefs d'État et de gouvernement NATO feront un Bruxelles en mai. L'OTAN s'est assuré de la pérennisation de la paix dans les Balkans occidentaux et ce depuis plus de 20 ans. Nous allons continuer à garantir la paix et la stabilité dans cette région parce que c'est important pour notre propre sécurité. Et nous allons continuer à soutenir les efforts en matière d'intégration euro-atlantique des Balkans occidentaux parce que c'est absolument clé pour assurer notre stabilité et notre prospérité dans la région et ailleurs. En 2016, nous avons ouvert la porte pour que le Monténégro se joigne à notre alliance et 25 alliés ont déjà ratifié le protocole d'adhésion pour le Monténégro, ce qui permettra au Monténégro de devenir le 29e membre de l'alliance. L'an dernier, nous avons également renforcé notre partenariat avec l'Union européenne. Nous sommes mis d'accord sur 42 mesures différentes qui visent à améliorer cette coopération. Des mesures qui portent sur les menaces hybrides, la cyberdéfense et la sécurité maritime. Il nous faut absolument travailler en plus étroite collaboration avec l'Union européenne parce que ça permettra de renforcer la sécurité européenne et ça renforcera le lien transatlantique. All our efforts must be underpinned by adequate Évidemment, resources nos efforts doivent être assortis des ressources adéquates at the Warsaw, et d'un partage équitable du fardeau. Lors du sommet de Varsovie de l'an dernier, nous avons confirmé notre engagement en matière d'investissement dans le secteur de la défense. Nous voulons investir de façon plus efficace aussi. Nous voulons mettre un terme aux compressions. Nous voulons atteindre la cible des 2% de GDP au cours des 10 prochaines années. Et nous devons également investir 20% en matière d'achat d'équipements majeurs. Nous avons vraiment pu tourner la page. En 2015, les compressions en matière de dépenses dans le secteur de la défense des alliés européens ont été arrêtées. Et 15 alliés ont même augmenté leurs dépenses en matière de défense en termes réels, donc toujours en 2015. En 2016, nous avons pu démontrer que 23 alliés ont augmenté leurs dépenses dans le secteur de la défense en termes réels de 3,8%, ce qui se traduit par l'ajout de 10 milliards de dollars américains. On peut donc dire qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés, mais il reste du pain sur la planche. Nous n'avons toujours pas un partage équilibré du fardeau au sein de notre alliance, comme vous le constaterez en parcourant le rapport annuel. Aujourd'hui, dans ce rapport annuel, nous avons inclus des statistiques mises à jour pour les alliés individuels de l'OTAN. En 2016, 5
alliés ont dépensé 2% au moins de leur GDP, de leur PIB. Sur la défense. Nous pensons qu'il est réaliste pour que tous les alliés atteignent cet objectif. Et d'ailleurs, les alliés représentés par les plus hauts dirigeants ont donné leur accord pour le faire. Donc c'est effectivement possible. Comme vous pouvez le voir, les alliés européens pris ensemble ont dépensé 2% du PIB sur la défense en 2000. Alors après la fin de la guerre froide, il y a eu un déclin effectivement dans les dépenses de défense, mais les 2% étaient tout de même atteints, ce qui veut dire que c'est une chose qui est tout à fait envisageable. Nous pouvons encore une fois y parvenir. Il s'agit tout simplement de prendre la décision pour augmenter. Je suis encouragé par le fait que la Roumanie a l'intention d'atteindre cet objectif des 2% cette année, et la Lettonie et la Lituanie s'attendent à faire de même en 2018. Bien évidemment, le partage du fardeau ne se résume pas à débourser davantage. Il faut également qu'on dépense de façon plus efficace. Et là, nous devons viser les troupes et les capacités de haut niveau. Voilà pourquoi la cible des 20% est aussi importante. Le nombre d'alliés ayant atteint les 20% minimum pour ce qui est des dépenses pour acheter des équipements majeurs a atteint le chiffre de 10. Par conséquent, nous devons redoubler nos efforts. Et ce sera un sujet qui intéressera les chefs d'État et de gouvernement à la réunion du mois de mai. L'OTAN est une alliance transatlantique de 28 membres. Nous serons bientôt 29, donc 28, bientôt 29 démocraties et qui partagent des valeurs communes. Et notre objectif commun, c'est de préserver la paix et la sécurité. Dans ce monde qui est dangereux, l'OTAN est tout aussi essentiel qu'au départ. Nous vivons une période pivot et l'alliance doit être forte. Et a pu rester forte parce qu'elle a su s'adapter au nouvel environnement. Sur ce, je serai ravie de répondre à vos questions. Très bien. Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Secretary General, are you worried if you look at the conflict between two NATO members, Turkey and the Netherlands right now? The attacks coming from Turkey, calling the Netherlands fascist. Similar attacks towards Germany. Is that, allies should treat each other, or is that weakening the alliance? And there have been, second question if I may, there have been discussions in Germany if, as a reaction to that, Bundeswehr soldiers should be called back from Turkey. Is that something that is worrying you? On se demande si les troupes allemandes devraient être retirées de Turquie. Un débat robuste, c'est quelque chose qui est au cœur de notre démocratie et le respect mutuel également, je le précise. Par conséquent, j'exhorte l'ensemble des alliés à être respectueux envers les autres, restons calmes et adopter une approche mesurée pour assurer la désescalade des tensions. De-escalate the situation. Pour diffuser les tensions. Il me semble important que nous mettions l'accent sur ce qui nous unit, les défis communs, les menaces communes pour déterminer comment l'OTAN devrait s'y adapter. Je ne pense pas qu'il faut mettre l'accent sur les questions qui nous divisent. I think it is important that we have dialogue. Il est important que le dialogue reste d'actualité et il faut également comprendre que nous sommes toujours soutenus les uns les autres. Par exemple, la présence de l'OTAN en Turquie, c'est quelque chose de bon pour la Turquie, mais également pour le reste de l'Europe et pour l'Alliance. Nous travaillons en collaboration avec ce pays pour faire face aux défis, à la violence en Irak, en Syrie. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour la Turquie, que l'OTAN soit présente sur le terrain avec nos aéronefs AWACS. Nous avons renforcé les défenses aériennes de la Turquie. Mais c'est également important pour l'OTAN, l'OTAN qui vient en aide à la coalition internationale qui lutte contre Daesh. C'est donc dans notre intérêt qu'on puisse travailler ensemble pour contrer les défis qui pèsent sur nous tous. Et c'est exactement ce qu'on doit faire pour lutter contre Daesh. Okay.
Mr. Secretary General, Denis Dubrovin, TASS News Agency. Secretary General, according to your report, d'après votre rapport, what's the general evaluation of the situation in the world? Is the security situation improving or degenerating? In which areas you would say the situation is the most grave? So what we have seen over the last couple of years is increased tensions and a new security environment surrounding et un nouvel environnement de sécurité we have seen more turmoil, more violence to the south taking control avec Daesh qui a pris le contrôle de certaines régions de l'Irak et de la Syrie. Maintenant, Daesh accuse certains reculs, mais tout de même, nous devons continuer à soutenir la coalition internationale qui lutte contre Daesh. En même temps, la Russie s'est montrée plus agressive, a procédé à l'annexion de la Crimée, a déstabilisé l'Ukraine de l'Est. Et l'OTAN réagit à tout ça. Pour moi, il est difficile de comparer les différentes menaces. Daesh est une organisation terroriste qui est responsable d'attentats terroristes et qui utilise des méthodes brutales. La Russie est un voisin, la Russie est là pour rester et nous voulons avoir des rapports plus constructifs avec la Russie et nous sommes heureux d'avoir pu relancer le dialogue politique en 2016 par le biais du Conseil OTAN-Russie notamment. Alors moi, mon message, c'est que l'OTAN est forte parce que nous sommes en mesure de nous adapter. Nous sommes fortes parce que nous changeons avec le monde. Thank you, Secretary General. Merci recently, beaucoup, President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker, put at the table five different scenarios for European Union, and for now it looks like the European Union of different speed countries are most preferably within the 20 of EU. From other hand, they also talking about necessity to increase spending on the defense. In the EU. How do you think all these plans can influence NATO or also and particularly in the part when NATO has to increase money on its own defense? Don't you think that when European ally will increase spending in the EU, they will not spend in NATO, and so the ultimatum of Mr. Trump at the end of this year will be a reality? Thank you. L'objectif de M. Trump, I think it's very important to understand that there is no contradiction between stronger NATO and stronger European defense. Une défense actually, it goes together. Forte. Because 22 of the members of the European Union are at the same time members of the NATO alliance. And more than 90% of the people living in the European Union, they live in NATO countries. So stronger European defense means at the same time stronger NATO. NATO has called for more defense spending in Europe in many years. We have called for the development of new capabilities, more training, more exercises, but also to address some of the obvious challenges we have in Europe with a very fragmented defense industry, which makes the development of capabilities more costly in Europe than, for instance, in the United States. So I welcome efforts to strengthen defense cooperation within the European Union. Because I believe that will strengthen the defenses of Europe and also strengthen NATO. The only thing which is important is that what the European Union does do not duplicate qu'il n'y ait pas de doublon entre l'OTAN et l'Union européenne. It is complementary. Il faut que and therefore, les I welcome the very clear message from many European leaders that this is not about a European army. This is not about creating new command structures which are parallel or overlapping NATO command structures. And this is not about the European Union being responsible for collective defense in Europe. Because collective defense in Europe is NATO's main responsibility, and especially after Brexit,
Julian Barnes, Wall Street Journal. President Trump has said, in addition to more defense spending, he wants more of a focus on counterterrorism from NATO. You and other allied officials have talked about NATO's contribution being in building partnership capacity. This report outlines a lot of different areas where you're doing training missions. What is the way forward? Is it doing more training missions, or is it doing training missions more quickly, or is it doing them in a different way to make them more effective? What is your thinking of how you're going to address this demand that NATO adapt and evolve? It may be all three of them. And we have an open mind to how NATO can step up its efforts to fight terrorism. I think the important thing to know or to understand is that we have to do it in different ways, in different regions, different and in different regions. And we need tailor-made approaches to the different countries we are working with. We have one approach in Afghanistan, and we must not forget that Afghanistan is about fighting terrorism. The reason why we went into Afghanistan was a direct response to a terrorist attack on the United States, and the main reason why we still are in Afghanistan is to prevent Afghanistan from becoming a safe haven for international terrorists. We have 13,000 troops there, and if there is any lesson learned from Afghanistan, it's that we should have started early to train local forces to build local capacity. So that's what we do in Afghanistan now. The Afghans are responsible for security in themselves. De leur responsabilité dans leur pays. Nous sommes là pour les aider, les assister. On ne peut pas répliquer ce modèle, mais on peut s'inspirer de ce modèle lorsqu'il est question de travailler en Irak, par exemple. Again, I think it's extremely important that we train local forces. Je pense qu'il est important de dispenser une formation pour les forces locales. Liberated, we need some local forces sera libéré, des forces to keep the territory, pour maintenir la zone, the region. Pour stabiliser la région. And as long as we don't plan to deploy our own forces, and that's not on the agenda at all, then we need local forces. We also have this concept locales. Of deployable mobile teams. So we have deployed mobile training teams from NATO to different countries in the region, and we will continue to do so. We have established a hub in the south, which can coordinate more activities, and of course we can also do more when it comes to just helping to build defense institutions, because it's not sufficient to train troops if you don't have defense structures, institutions that can make sure that those troops are led, coordinated in a good way. So we have a wide range of opportunities, possibilities. NATO is already doing a lot, and we describe all the different activities in the annual report, but I can foresee that we can actually scale up some of the activities we have, and we can also, of course, do different kinds of activities. Egyptian TV, second row. Egyptian TV. I'm here. Thank you very much. I'm Mac Youssef from the Egyptian television. Secretary General, you NATO did recognize the Belgium embassy to be the link between NATO and Egypt, and Egypt will be present with a high level of diplomat NATO soon. How this is will change cooperation between NATO and Egypt, and is there any talk between NATO and Egypt to work together in Libya? Thank you very much.
I welcome very much that Egypt is establishing a mission to NATO and will appoint an ambassador to NATO. That will strengthen the cooperation, the partnership between NATO and Egypt. I recently met with the Egyptian foreign minister. We had a good and constructive meeting. NATO is working with Egypt in different ways. We have, for instance, deployed our mobile training team to Egypt. We are working with Egypt to interoperability. And of course, when I met with the foreign minister, we also discussed the situation in Libya. And of course, Egypt being so close, I expressed from the NATO side that we are ready to help build structures, defense institutions in Libya, but also strongly support UN-led efforts to try to reach a political solution. So the political dialogue is important. And the political dialogue will be strengthened by the new Egyptian diplomatic mission. Financial Times. Financial Times. Hi, Arthur Beasley here. Arthur Beasley. In your assessment, Secretary General, are efforts by Germany to increase defense spending, which are underway, are those efforts sufficient? Représentent-ils des efforts suffisants pour l'heure? The important thing is that Germany has turned the corner. C'est que l'Allemagne a passé because un cap. Of the years of decline in defense spending, they have now stopped the cuts in defense spending and actually started to increase. Ne sont plus and if you afterwards you will have the annual report, and I think it's table 3, je pense que le tableau then you will see the real change in defense spending for all individual allies. And Germany has an increase in 2016. I, of course, expect Germany, as all other allies, to continue. To keep up the momentum and to continue to invest more in defense. And of course, I expect that from all allies. But Germany being the biggest economy in Europe, l'Allemagne really la plus grande économie Germany en Europe, donc ce que and fait l'Allemagne, ça compte. Very clear messages from Chancellor Merkel and from other German leaders that they will now start to invest more in our defense. Plus this dans notre is not just about, you know, a call from the United States and from President Trump. This is also about that it is a decision made by 28 allies together. It is in Europe's own interest to invest more in defense. And I welcome the fact that Germany has started. Germany, as many other allies, have a long way to go. But at least after years of decline, we are now seeing that they are moving in the right direction. And this has been my main issue when I met different political leaders in different NATO capitals since I became Secretary General in 2014, and of course, I spoke with Chancellor Merkel, this is one of the issues we discussed, how can we make sure that we continue to invest more in defense. ARD, third round. ARD. Thank you very much. Kai Küstner, ARD German Radio. Once more back to Turkey, the Human Rights Watchdog Turquie, Council of Europe le Conseil has de l'Europe sharply et criticized qui est responsable Turkey for its plans to establish a presidential la Turquie rule in the country. Since NATO is also based on democratic values, does that pose a problem for the alliance? And can Turkey actually stay a member of NATO in case the presidential rule is established? Règles présidentielles. Well, that's exactly what they're now discussing in Turkey. And there is a campaign going on, some are in favor and some are against. But that is going to be decided by referendum in Turkey. Mais il faudra que ce soit décidé par référendum en Turquie. En Turquie, moi, je respecterai ce qui ressortira de ce référendum. C'est chacun des alliés qui doivent prendre leurs propres décisions pour décider du modèle politique qui le désire. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous avez davantage d'informations sur l'entraînement militaire et l'exercice qui va commencer en Russie à côté, pas loin des frontières des Balkans? Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités russes? L'exercice devrait commencer peu de temps après le déploiement des groupements tactiques de l'OTAN dans cette région.
First of all, I think it's important to remember that every nation has the right to exercise its own troops and forces. That is also the case for Russia. NATO conducts exercises, Russia effectue des exercices, tout comme la Russie. Ça fait partie de nos obligations quand on a des forces armées. Il faut bien les entraîner. Ce qui est important, c'est que les exercices soient effectués sans qu'il y ait d'augmentation de tension, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, et il faut effectivement respecter nos obligations internationales et le document de Vienne. Et on y trouve toutes les règles par rapport à la notification d'exercices à venir. Et moi, j'accueillerai favorablement toute invitation de la part des Russes pour observer Zapad 2017. Et je m'attends à ce que la Russie adhère pleinement à ses engagements internationaux en vertu du document de Vienne. Après tout, c'est la meilleure façon de minimiser les tensions et d'éviter tout malentendu. Je dois également préciser que lors d'une réunion du Conseil OTAN-Russie, en fait lors de la dernière réunion avant Noël, non, c'était en janvier, c'était quand? L'an dernier, au mois de décembre. Nous avons abordé la question du Conseil OTAN-Russie qui peut jouer le rôle d'échange entre les deux parties sur justement les exercices à venir. Thank you, Mr. Secretary General Terry Schultz. Merci à Monsieur le Secrétaire Général Terry Schultz. Pour revenir à la Turquie, est-ce que vous avez discuté avec le gouvernement des Pays-Bas ou le gouvernement turc relativement à ce différend? Vous avez demandé qu'on garde le calme, et étant donné que le drapeau des Pays-Bas a été retiré du consulat d'Istanbul ce week-end et qu'un drapeau turc le remplace, est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous avez tenté de rassurer les parties parce qu'on ne voudrait pas effectivement qu'il y ait une escalade et que les institutions qui sont présentes dans ce pays soient ciblées. J'ai été en contact avec les deux autorités que vous avez mentionnées. Je ne vais pas vous donner les détails de mes conversations, mais j'ai toujours dit la même chose. Un débat robuste, c'est quelque chose qui caractérise nos démocraties, mais il faut faire preuve de respect mutuel et il faut vraiment diffuser les tensions maintenant. C'est le message que j'ai véhiculé parce que je suis convaincue que nous devrions vraiment mettre l'accent sur les défis et les menaces qui proviennent de l'extérieur de l'Alliance. Nous devrions vraiment mettre l'accent sur les questions qui nous unissent et pas le contraire. Question inaudible, réponse. Il s'agit d'une question bilatérale entre des alliés de l'OTAN. Tout ce que je peux dire de mon côté, c'est que j'exhorte l'ensemble des alliés à agir de façon calme pour réduire les tensions. Thank you, Ana Bisonero from the Spanish news agency. Sorry, I have to ask on Spain because it's still one of the biggest. Alors, j'aimerais aborder la question de l'Espagne, un des pays principaux, et maintenant nous nous retrouvons à l'avant-dernier rang des pays qui dépensent leur budget en matière de défense. Je pense qu'on va remonter d'un cran bientôt. Est-ce que vous vous inquiétez du fait que l'Espagne n'a pas tout à fait l'air d'assumer sa part du fardeau? Merci. L'Espagne contribue aux efforts de l'Alliance de bon nombre de façons différentes. Moi, j'ai vu des soldats espagnols dans le cadre de l'exercice Trident Juncture. Ensuite, l'Espagne est un des pays qui contribue aux mesures d'assurance en Turquie. Une batterie patriote a été déployée. Merci à l'Espagne pour ça.
for leading, l'Espagne est également responsable d'une des brigades de fer de lance que nous avons établies. Et l'Espagne contribue de différentes façons pour assurer notre sécurité collective et pour projeter la stabilité dans notre voisinage. Cela dit, bien évidemment, l'Espagne, comme bon nombre d'alliés, n'investit pas suffisamment dans le secteur de la défense. Et c'est précisément pour ça que nous avons décidé en 2014 de mettre un terme aux compressions et de s'assurer de pouvoir atteindre la cible des 2% de dépenses dans le secteur de la défense. Et je m'attends à ce que l'Espagne respecte cet engagement. Ce ne sera pas chose facile, je vous le concède. J'ai moi-même travaillé à l'échelle nationale et je sais qu'en général, les pays préfèrent dépenser leur budget sur la santé, l'éducation, les infrastructures. Et c'est vrai qu'après la fin de la deuxième de la guerre froide, la majorité des alliés ont dépensé moins dans le secteur de la défense parce que la menace était moindre. Mais il faut savoir que même quand les tensions augmentent, nous devons être en mesure d'augmenter nos budgets consacrés à la défense. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez parlé de l'Afghanistan. Vous avez dit que depuis 15 ans, l'OTAN est présente en Afghanistan. C'est vrai, mais beaucoup d'Afghans estiment que les efforts de l'OTAN n'ont pas été couronnés de succès en Afghanistan. On parle d'aide, d'entraînement et de soutien. Moi, j'aimerais savoir si on pourrait modifier la politique de l'OTAN More paying attention for the equipment for the Afghan soldiers, and also, as you know, there is really very different and difficult situation in Afghanistan, and also tensions between Afghanistan and Pakistan since months and weeks and months. What's as Afghanistan is a partner with the NATO, so what's your advice for those countries, and how do you think for the future of Afghanistan? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de l'Afghanistan? I totally agree that there are many challenges. In Afghanistan, and there is still violence, and the Taliban is still a real threat, and we have many different terrorist groups that operate in Afghanistan. So I'm aware of the challenges and the difficulties in Afghanistan. Having said that, I also would like to underline that we have achieved a lot together. When NATO troops arrived almost 15 years ago, we hardly had a functioning state, and there was hardly any, as I say, real national security force in Afghanistan. Then we have helped to build an Afghan national security force, consisting of 350,000 troops, military and police. And they are now able to have the responsibility for the security in their own country themselves. But that's at least something compared to the situation before, where Afghanistan was totally dependent on troops from other countries being responsible for security in Afghanistan. So again, I'm not saying that is easy. I'm aware that there are high casualty numbers, and there are terrorist attacks, and there are many challenges. But compared to a time where NATO had more than 100,000 troops conducting big combat operations in Afghanistan, now NATO has 13,000 troops, and the Afghans are responsible for security in their own country. And in the long run, I'm absolutely confident that the only way that we can stabilize Afghanistan is that the Afghans take responsibility for their own future themselves. In the long run, they cannot be dependent on NATO sending tens of thousands of combat troops into combat operations fighting in Afghanistan. So yes, I understand this is difficult, but I think the transformation from NATO NATO doing big combat operations to handing over the responsibility for security in Afghanistan to the Afghans themselves has been a significant achievement that we have made together with the Afghan troops. We will continue to train them, and I'm also encouraged by how Afghanistan is developing new capabilities, like for instance, air forces, and how they are including also women in their armed forces. I met Afghan pilots being trained by NATO trainers. That's great to see. And then I would also add that
par l'OTAN, c'est une très bonne chose, et nous sommes là pour aider, pour assister, nous sommes également sur place avec des fonds, nous continuons à financer l'armée nationale de l'Afghan, nous sommes engagés à porter une aide jusqu'en 2020, et nous avons un dialogue politique. Nous voulons soutenir tous les efforts visant à trouver un accord politique négocié. Alors il faut prendre en compte les voisins tels que le Pakistan, il faut de bons liens avec les pays de proximité. C'est très important si on veut une solution pacifique qui dure. Le soir. Thank you, Philippe Renier, newspaper Le Soir. You mentioned the fact that Montenegro's accession to NATO will bring more stability in the region, but don't you fear that at the same time Russia will try to disrupt this process? So we have seen reports from Montenegro addressing those concerns, and also we have seen the failed coup attempt last fall, and the fact that Russian citizens were involved in that attempt. But for me, this is not an argument against Montenegro joining the NATO. For me, this is an argument in favor of NATO. Because Montenegro has, through democratic processes, made a decision. They want to join NATO. 28 allies have signed the accession protocol, and almost all of them also ratified it in the parliament. And it is a sovereign right of every nation to democratic processes to decide which path it wants to choose, including what kind of security arrangements it wants to be part of. So any attempt to intervene or to interfere in such a process is undermining the sovereign right of a sovereign nation to make its own decisions, and of course Montenegro has that right. Montenegro a ce droit, et je soutiens le Montenegro. Thank you. Merci. Maria Psara from Ethnos newspaper Greece. Would you elaborate more about the NATO's mission in the DRC, and is Turkey again seeking for an end to this operation? NATO's presence in the Aegean Sea has been a success and has been important for different reasons. Partly, we have been a key in helping Frontex, Frontex and the Turkish Coast Guard to address the illegal flow and the criminal networks illegal de réfugiés et pour s'attaquer au problème du trafic d'êtres humains par la mer NATO Égée. Ships have been very often the first spotters of boats and activities. We have shared that information with local coast guards, and they have then taken action. And of course, NATO has also been important because it brings together two NATO allies, Turkey and Greece, a non-EU member Turkey, working with the European Union, Frontex, in the Aegean. So when I visited, for instance, the German flagship, on that flagship, we had a German admiral, but we also have a Turkish liaison officer, avec un officier de liaison turc qui était présent, ainsi qu'un officier de liaison grec présent. Je tiens par ce biais à souligner que l'OTAN réunit la Grèce et la Turquie, l'Union européenne et l'OTAN dans la région. Nous avons pu travailler très étroitement avec l'Union européenne. Importance of tout cela mission. Having said all this, of course, this is not an open. This will have an end. So we will be there as long as there is support for it in NATO, and as long as we deem it as something that adds value. But at some stage, I also expect our activity in the Aegean to end. Dernière question, Agence France-Presse. Thank you, Secretary General. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. What can we expect for the next meetings? À quoi peut-on s'attendre pour les prochaines réunions? Il y a la réunion au mois de mai. Vous n'avez pas encore donné de date. Donc, ce n'est peut-être pas encore fixé. Qu'en est-il de la ministérielle des Affaires étrangères? Est-ce que la situation entre la Turquie et certains pays de l'Union européenne à l'origine d'un retard pour cette réunion qui était prévue avant le mois de mai?
À quoi peut-on s'attendre en termes de calendrier? We will have a meeting of heads of states and government in Brussels in the end of May. À la fin du mois de mai, the meeting will take place in connection with the G7 meeting de concert avec la réunion G7. Most likely be just before or just donc, after, but we juste will juste soon après, be able to announce the exact date. D'ici peu, nous vous donnerons and the, it will not be a full-fledged ça, summit. Ça ne sera pas un the plan sommet. Is to inaugurate nous prévoyons, the new building, so we will have all the heads of state and government, including a new US president and a new French president attending the inauguration. And we will have a working session where we will discuss how NATO is adapting. Au cours de laquelle on abordera la façon dont l'OTAN s'adapte aux nouveaux défis sécuritaires. Je m'attends à ce que le partage de fardeau, les investissements en matière de défense more, et la façon dont on peut dépenser plus et mieux seront des sujets à l'ordre du jour pour cette réunion du mois also, de mai. More et NATO bien can sûr, do to on peut voir ce que l'OTAN peut faire davantage, encore plus pour lutter contre le terrorisme. Il y aura une ministérielle au mois d'avril. Ça sera un élément clé pour la préparation des chefs d'État et de gouvernement au mois de mai. And also many NATO allies and I myself will go to Washington next week. Washington la semaine prochaine. Next week. C'est la semaine prochaine. To participate in the counter-ISIL coalition meeting, so that will also provide an informal platform to discuss the preparations for this meeting in May. So we are now preparing. For hosting 28 heads of state and government and Montenegro, because Montenegro participates in all our meetings, even though the accession protocol is not ratified in all 28 parliaments. Host them here in May. And inaugurate the building, donc nous address burden sharing, defense spending, siège, and parler more NATO can do to fight et les investissements et tout ce que l'OTAN peut faire en plus pour lutter contre le terrorisme. Thank you very much. This concludes this press conference. Cette you will have an opportunity to continue talking to the Secretary General off the record at our annual reception, which will be at the end of the corridor. But before you do that, you can take the annual report, which is totally on the record, to your right as you leave this room. Thank you. À la droite en sortant. Merci beaucoup. Thank you.